Bonjour à ceux qui se connectent. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si le son marche bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne. J'espère qu'on ne sera pas embêté après. Salut Geoffroy. Coucou Martine. Salut Mathieu. Lily. Donc c'est bon, vous m'entendez bien? Oui, je te vois. Super. Merci Martine. J'attends encore une minute que tout le monde se connecte. Donc comme toujours, hein, on prend son tapis, on dégage un petit espace pour faire la relaxation après si on veut au mur et au sandra. Prenez de l'eau aussi. Bonjour John. Donc aujourd'hui, ça va être un thème spécial. Pourquoi le Pilates est intéressant quand on fait des entraînements de cross-training, de crossfit, des HIIT, des Tabata, tous ces entraînements un petit peu à la mode. Super Mathieu, merci. Le son n'est pas très fort. Là, j'essaie d'augmenter. Hop, est-ce que là c'est mieux? Je vais augmenter mon micro normalement. Il y a un petit décalage, le temps que vous me répondiez. Pensez aussi ceux qui ont besoin de prendre un petit coussin comme ça pour mettre sous la tête pour certains exercices. Si quand vous êtes allongé, vous vous retrouvez un petit peu la tête en arrière comme ça. Et ceux qui ont du mal à avoir le dos bien droit, bien étiré de cette façon quand vous êtes assis, prenez une petite brique, prenez un petit coussin. Allez, je pense que vous serez pas beaucoup plus, les gens sont au travail. Donc on va commencer. Donc voilà. Donc pour commencer, déjà on va expliquer le rapport, le lien entre Pilates et CrossFit. Donc déjà je tiens à dire que pour les hommes qui pensent que le Pilates est un sport de filles, ils se trompent. Le Pilates, il a été inventé par Monsieur Joseph Pilates. Et à la base, il l'a inventé pour les soldats durant la guerre, pour ses copains de cellule. Et après, ça a aussi servi pour la rééducation des soldats sur les lits d'hôpitaux. Donc à la base, le Pilates, c'est plutôt un truc d'hommes, de guerriers. À savoir aussi que les gens comme, enfin, les sportifs comme les All Blacks font du Pilates. Les footballeurs font aussi dans leur entraînement du Pilates, que ce soit sur tapis ou sur machine. Il y a des basketteurs américains qui font du Pilates, Tiger Woods fait du Pilates. Donc c'est vraiment un très bon sport pour aussi faire comme une base pour d'autres sports. Donc le lien entre Pilates et CrossFit. Donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez qu'en Pilates on travaille énormément le centre. Le centre, c'est le transverse. Donc les abdos les plus profonds qui font tout le tour de la taille, le plancher pelvien, parce que quand le transverse travaille, le plancher pelvien travaille aussi, il travaille un petit peu et c'est important qu'il soit musclé pour les hommes comme pour les femmes. Et ça travaille aussi le bas du dos, ça travaille les lombaires et le fait que tout le centre travaille, la première chose c'est que ça va être une sécurité pour votre dos et aussi pour votre plancher pelvien et même pour vos abdos. Donc l'intérêt principal du Pilates pour le crossfit, pour le cross-training, etc., c'est que vous n'allez pas vous blesser si vous avez l'habitude d'engager le centre. Ça va vous éviter les blessures, donc surtout quand même au niveau du bas du dos, quand vous faites par exemple des exercices comme le kettlebell swing, ou même des exercices qu'on peut faire en musculation quand on fait du développé couché. Souvent on voit des gens en salle qui ont le dos qui se cambre au moment où ils poussent la barre. Et en fait, si vous avez l'habitude de faire du Pilates, vous allez garder votre dos avec sa courbure neutre, sa courbure naturelle. Vous n'allez pas cambrer, mais au contraire, vous allez vous servir du centre bien engagé pour pousser. Ça va vous donner de la force, ça va vous donner de la puissance. Donc, avoir un centre engagé,
ça empêche de cambrer le dos, ça empêche de le tordre dans tous les sens, ça empêche de vous faire mal, que ça soit dans la vie de tous les jours, pendant le cours de pilates ou pendant votre entraînement de cross-training. Donc ça, c'est très important. Même quand en cross-training, on fait tout ce qui est relevé de buste pour faire les abdominaux, si vous faites du pilates, vous aurez l'habitude de bien vous placer et du coup de ne pas vous blesser au niveau du bas du dos. Ensuite, la chose importante, c'est que les entraînements de cross-training, si vous en faites, vous pourriez piquer des exercices d'abdos de pilates. Selon moi, alors c'est pas parce que c'est ma discipline, mais vraiment en pilates, on a sûrement les meilleurs exercices d'abdos qui travaillent déjà sans se blesser et en plus qui sont super efficaces. De toute façon, quand vous faites une séance de pilates, vous travaillez pendant une heure, pendant toute la séance, les abdos profonds, vous travaillez le transverse parce que vous êtes censé rentrer le ventre pendant toute la séance. Donc ça, vous pouvez l'appliquer pendant vos séances de crossfit, de cross-training, etc. Vous pouvez rentrer le ventre en permanence, vos abdos ils vont travailler tout le temps. Et en plus, essayez de regarder, de piquer des exercices en pilates, ils sont vraiment très efficaces et il y en a énormément. Ensuite, cet engagement du centre dont on est en train de parler, comme je l'ai dit juste avant, ça va vous donner de la puissance pour faire des mouvements ou par exemple, ça va vous faciliter tous les exercices où il faut soulever un objet depuis le sol. Donc ça, c'est valable quand vous faites un déménagement, mais c'est valable aussi quand vous faites les exercices comme le medicine ball clean ou le deadlift par exemple. Ça va vous donner de la force, ça va vous donner de l'énergie. Parce qu'en pilates, quand on engage le centre, en fait, on dit que ça redistribue bien l'énergie en haut du corps, pardon, en haut du corps et en bas du corps. Ça va être plus facile de bouger ses bras et ses jambes quand on a le centre costaud que quelqu'un qui aurait le ventre tout relâché, pas bien musclé ou qui ne saurait pas l'engager. Donc engager le centre, ça redistribue l'énergie et pour vos exercices, pour vos entraînements de cross-training, ça va vous rendre plus puissant. Ensuite, en pilates, nouveau point, c'est qu'on travaille les muscles profonds. On travaille énormément le gainage, donc ça va vous aider pour tout un tas d'exercices en cross-training, comme les hollow hold ou les hollow rocks. Désolée, je ne me souviens pas de tous les noms. Voilà, ça va vraiment vous aider à faire certains exercices. On travaille constamment en profondeur, donc ça va vous donner un centre, une base vraiment bien costaud, bien solide. Ensuite, évidemment, en pilates, point important, on travaille la souplesse. Tous les exercices sont faits en étirant et en essayant d'assouplir. On est souvent en pied flex, donc ça étire l'arrière des jambes. Ça étire même jusque dans les lombaires, on essaye d'assouplir le dos parce qu'un dos, ça doit aussi pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens sans se faire mal. Ça va assouplir aussi les épaules, donc ça va être plus facile pour vous de faire vos exercices où il faut porter un poids ou une barre au-dessus de la tête si vous êtes souple des épaules que si vous vous retrouvez bloqué ici, vous allez avoir plus de mal. Pareil, ça va être plus facile pour faire un squat en descendant super bas ou... Voilà, donc la souplesse, c'est comme la force, ça se travaille. C'est pas inné, il y a des gens qui me disent « je fais pas de pilates parce que je suis pas souple », mais justement, fais du pilates parce que tu n'es pas souple. Voilà. Ensuite, les gens qui font du cross-training, vous pouvez aussi piquer la respiration qu'on fait en pilates, parce que cette respiration, elle est latérale et thoracique, elle est ici, parce qu'on rentre le ventre en permanence. On ne peut pas gonfler le ventre pour respirer et en même temps le garder rentré. Donc la respiration du pilate s'adapte complètement aux entraînements, aux exercices de cross-training et ça va vous permettre voilà, aussi de vous concentrer. La respiration du pilate, en fait, elle est là aussi pour pouvoir se recentrer. On se concentre sur une belle respiration et ça permet à l'esprit d'être bien focus sur les exercices. Ensuite, on travaille aussi toujours l'alignement, la posture, la proprioception. On apprend à savoir comment est placé son corps dans l'espace et ça c'est hyper important pour être bien placé pour vos exercices comme les squats ou tout exercice où vous portez du poids. C'est toujours plus safe en fait d'être bien placé dans l'alignement, d'être précis comme ça, pas de risque de blessure et encore une fois on est plus efficace pour les mouvements, on comprend mieux les consignes, on comprend bien ce qu'il faut faire. Et dernière chose, le pilates, c'est la rigueur et la précision.
Donc même chose, ça va vous permettre de faire des mouvements de crossfit, de cross-training, etc. hyper carrés, hyper efficaces, voilà, sans petits mouvements parasites. Et comme pour tous les entraînements en pilates, on veut de la rigueur, on veut vraiment que les gens s'entraînent régulièrement parce qu'avec la régularité, on a des progrès. Donc voilà pourquoi, pour toutes les raisons pour lesquelles pilates et crossfit se croisent et pourquoi c'est intéressant de faire du pilates quand on fait du crossfit. Donc il n'y a pas d'exercice spécifique pour les gens qui font du crossfit. Toute la séance de pilates est intéressante puisqu'on travaille en permanence les abdos, on travaille en permanence la souplesse, on essaye d'être précis, on essaye d'être rigoureux, on prend conscience de comment est placé son corps, on est en gainage. Donc tous les exercices vont être intéressants. Après, il y a des exercices comme le V-up qui ressemble un petit peu au teaser en pilates. C'est normal, le crossfit et le pilates prennent des mouvements à la gymnastique. Donc c'est normal qu'il y ait des mouvements qui se recoupent. Et en pilates, on va vraiment apprendre à les décomposer et à les faire, à les réaliser de façon la plus sûre possible. Voilà, maintenant que je vous ai bien parlé, on va commencer tout de suite la séance. Donc n'hésitez pas à la fin de la séance, après hein, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, ou alors au live suivant, peu importe. Donc comme d'habitude, on va bien se placer. Donc comme on vient de voir, et bien on aspire le nombril, donc on creuse le ventre, on veut que le nombril vienne toucher la colonne vertébrale. Donc c'est pareil, souvent dans les exercices, dans les cours de cross-training, on vous dit de serrer les abdos. Moi, serrer les abdos, ça ne me parle pas trop, mais par contre, rentrer le ventre, je ne sais pas si vous voyez bien, là je sors mon ventre, là je rentre mon ventre et c'est comme ça en fait que je serre les abdos, que je les travaille au maximum. Donc on creuse le ventre, ça contracte en même temps le plancher pelvien, ça le fait un petit peu travailler et ça va tenir notre dos. Donc ça c'est super important, le centre hein, pour avoir de la puissance dans tout le corps, que ça soit en pilates, en cross training, dans un autre sport, peu importe. Ensuite, on y tire la colonne vertébrale, ça très important aussi, quels que soient vos exercices, quel que soit votre sport, c'est jamais bon de se tenir chibouté comme ça pour faire un mouvement, pour porter un poids ou quoi que ce soit, ça paraît évident, il faut bien se tenir. Épaules basses, toujours, même chose. Un petit peu roulé vers l'arrière, on sort un peu la poitrine, on n'exagère pas parce qu'on ne veut pas avoir les omoplates qui se pincent. Donc elle reste bien collée, bien plaquée dans le dos. Et pour le placement de la tête, on rentre un petit peu le menton, on ne se retrouve pas comme ça. Et on n'abuse pas non plus, on n'est pas ici non plus. Hein, ici, c'est bien. Donc le placement, on est bon. On pense toujours être le mieux placé possible, le plus aligné. Et ensuite, on va se concentrer sur notre respiration, donc que vous pouvez aussi utiliser dans vos cours de cross-training. Donc, main sur les côtes, ici, ça c'est pour vérifier que vous la faites bien. Donc on inspire par le nez, ça va s'ouvrir latéralement, on expire par la gorge, ça va se resserrer et ça nous permet de garder le ventre rentré, que ça gonfle ici. Donc vous pouvez soit mettre les mains sur le ventre pour vérifier qu'il est creusé, soit les mains ici pour vérifier que c'est là que ça se gonfle. Mais quand vous respirez, le ventre, j'inspire et il se creuse encore plus et j'expire. Les côtes se dégonflent, mais le ventre reste rentré. Donc allez-y, on se concentre vraiment sur notre corps avec la respiration. Donc on fait plusieurs respirations pilates comme ça au début du cours pour bien se recentrer. Donc allez-y. J'inspire à fond par le nez. J'expire à fond par la gorge. Donc je mets mes mains vraiment sur les côtés. Concentrez-vous sur le souffle, sur l'air qui passe par le nez, qui ressort par la gorge. Et je vais aller me placer sur mon tapis. Donc, si vous n'y êtes pas, allez-y aussi. Et on va commencer assis ici, donc les pieds légèrement vers l'avant. Les mains sous les genoux, le dos droit, les épaules basses, ce qu'on vient de voir juste avant, et on inspire par le nez, on continue. Et on expire par la gorge. Donc on doit sentir vraiment l'air qui circule ici, jusque dans le dos. J'inspire et j'expire.
Je baisse mes épaules, attention à ne pas vous retrouver là, on respire moins bien et on est mal placé. Et doucement, on va inspirer, arrondir le dos, expirer pour remonter en étire. On garde les mains sous les genoux, elles peuvent descendre un petit peu ici le long des cuisses. À mesure qu'on descend de plus en plus bas, on expire en remontant. J'inspire dos rond, c'est difficile, mais on essaye d'arrondir même les lombaires, qu'on soit cambré, qu'on ait le dos droit. On a vu que c'était important d'avoir un dos souple, mobile, qui bouge dans tous les sens. C'est important aussi si vous faites donc du crossfit. Voilà, faut pas être tout raide au niveau du dos pour pouvoir être capable de bouger, de l'arrondir, de le cambrer. Le dos doit pouvoir être mobile. Donc, on inspire, on descend, on expire, on remonte, on étire le dos, on baisse les épaules, on sort la poitrine encore. Ensuite, on va décrocher les mains dessous les cuisses, on tend les bras et on va étirer au-dessus de la tête. Donc c'est toujours j'inspire, je descends, j'expire, tac, je remonte. J'inspire, je descends, creusez le ventre. J'expire, je remonte. On va essayer de descendre plus bas. Vous avez le droit d'avancer un petit peu les pieds si vous trouvez que c'est plus facile. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte vite. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte, j'étire, ensuite on descend encore plus bas. Donc on creuse le ventre, si vous voyez votre ventre, il ne faut pas qu'il y ait une petite montagne devant vous, il faut vraiment que ce soit plat, que ce soit creux, et ça c'est à vous de le faire, c'est à vous de creuser, de recreuser, de creuser encore, c'est un effort, c'est un travail, c'est normal. Allez, à la prochaine, on s'allonge complètement sur le dos, mais sans poser la tête. Hop. Donc on s'allonge jusqu'en bas des omoplates, on garde les bras étirés, on amène une jambe en chaise renversée et l'autre. Et on va commencer tout de suite par les 100 battements de bras, comme ça on est tout de suite dans l'ambiance. Allez, ça fait 10 battements, on est en chaise renversée. Ensuite on tend les jambes, puis c'est position pilates. On presse les talons l'un contre l'autre, ça travaille les adducteurs. Et le plancher pelvien. On est à 20, 30, on ouvre les bras, les jambes, pardon. Ensuite, chaise renversée, 40. 50, jambes tendues, pied position pilates. Serrez fort les talons. 60, on ouvre les jambes, pied pointe. 70, jambes en chaise renversée, tenez bien la position, c'est genou largeur des hanches, pas collé. 80, tendu, pied position pilates. Rentrez le menton, on n'a pas la tête qui pendouille en arrière. 90, on ouvre. Et 100, en chaise renversée, on finit. Et on relâche. On va reposer un pied, l'autre. Et on pose la tête. C'est bon. Parfait. Ok. On enchaîne. On place une jambe en chaise renversée. On place l'autre jambe. Je vous donne deux niveaux. Le premier niveau se fait tête au sol. On met une main contre le genou, comme ça. Et on va tendre l'autre jambe. Et on alterne. Donc là, c'est juste les mains qui se décalent. Pardon. Donc, j'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. J'étire pied-pointe. Si ça fait mal au dos, c'est que le ventre n'est pas assez creusé. Pour pas que le dos cambre, il faut que le dos garde sa courbure normale. Donc, si ça continue à faire mal au dos, vous pouvez tendre la jambe plus haut. Hein, on protège son corps au pilates, on écoute son corps. Et pas parce qu'on est délicat, mais parce que c'est comme ça qu'on a un travail efficace. Parce que se blesser, en gros, ça sert à rien. Si vous voulez travailler un peu plus dur, sans que ça vous fasse mal au dos, vous pouvez tendre tout à fait les jambes plus bas. Mais là, il faut vraiment être sûr
de ses abdominaux et de son dos que ça fasse pas mal. Donc j'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Creusez le ventre, j'inspire, j'expire. Et niveau 2, on soulève le buste. Donc décollez jusqu'en dessous des omoplates. Le bas de l'omoplate touche le tapis. Ok, on ramène les deux jambes en chaise renversée. Si on a le haut du buste soulevé, on garde les bras étirés. On tient encore quelques instants la position en rentrant bien le ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On repose les bras. On repose la tête. On va reposer une seule jambe. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on va garder l'angle sous le genou et on va alterner ici. On va venir toucher le sol avec la pointe du pied. On creuse bien le ventre. J'inspire sur une. J'expire sur l'autre. Creusez l'autre. On aspire les nombrils à fond. N'essayez pas de travailler comme ça super vite, hein. Vous allez travailler plus en profondeur, plus intensivement si vous travaillez lentement. C'est rythme du souffle. Là, tout le corps travaille, donc principalement les abdos, c'est ce que vous sentez sûrement le plus. Mais on est hyper gainé au niveau des jambes, donc si vous avez mal aux cuisses, aux mollets, c'est normal. On travaille aussi le dos, là il est gainé aussi. Creusez à fond. Et on relâche. Ramenez les genoux au-dessus du ventre. Donc, genou, poitrine, on masse le dos, on respire. Ok, on va reposer les pieds au sol. On va tendre une jambe pied-pointe vers le plafond, puis l'autre. Donc, on tend les deux jambes pied-pointe. On va travailler l'ouverture de hanche. Donc, on va dessiner un cercle avec une jambe. Mais aussi de beaucoup de travail d'isolation en pilates. Donc là, pendant qu'une jambe bouge, l'autre reste totalement gainée, totalement immobile. Hein? Donc l'exercice, c'est je fais tourner une jambe et l'autre, celle-ci ne bouge pas et celle-ci ne doit pas faire ça en même temps. Ok? Donc une seule à la fois, là on est gainé. Si on ne peut pas tendre les jambes à fond, et bon, on peut tout à fait faire avec la jambe un peu pliée. L'important à comprendre, c'est que ce n'est pas un cercle de genoux, c'est pas un cercle de pieds, c'est un cercle de hanches. Ça bouge à partir du bas, ça bouge de là, c'est tout. Tout le reste est gainé, rien ne bouge. Donc allez, on y va, creusez le ventre. Si ça fait mal au dos, mettez les mains sous les fesses de façon à ce que les lombaires soient collés dans le tapis. J'inspire sur une jambe. J'expire sur l'autre. Si vous avez les hanches qui craquent, réduisez la taille du cercle jusqu'à ne plus avoir mal. Si vous avez la tête qui part en arrière comme ça, c'est le moment de mettre votre coussin pour être aligné. On ne fait pas des exercices avec une position, on est en train de se faire mal à la nuque, où on sent qu'on n'est pas du tout à l'aise et pas du tout bien installé. Relâchez. Très bien. Voilà, on n'a pas besoin non plus de faire beaucoup de répétitions en pilates. L'important, c'est la qualité du mouvement et pas la quantité. Allez, on va mettre les mains sous les genoux. Petite impulsion, on va enchaîner sur les roulades. Donc, dos rond, ventre rentré, épaules basses, je gaine tout le corps. Et évidemment, j'engage mon centre parce que c'est l'engagement du centre qui va me permettre de remonter. Je vous rappelle que l'engagement du centre, en fait, ça veut dire qu'il faut creuser le ventre pour que tout le centre du corps travaille, soit efficace. Les habitués ou ceux qui sont à l'aise avec cet exercice, vous pouvez mettre les jambes ici. Voilà, et en fait, les jambes ne bougent pas et on peut aussi les tendre. Donc on peut tendre les jambes, on peut rester. L'idée, c'est de rester dans la position. Si chez vous, ça vous fait mal au dos, continuez les roulades. Si ça vous fait mal au dos, à la place, vous faites un petit dos du chat. Comme ça. Ici.
Hein, n'hésitez pas à remplacer, ça ne sert à rien, on ne cherche pas à se blesser. Salut Eric. Allez, on a fini, donc on va plaquer les jambes au sol et on va s'allonger tout doucement sur le dos. On pose la tête, on replie les jambes. Alors, plusieurs niveaux pour cet exercice. On va commencer par le niveau 2 parce qu'on teste, on voit si on réussit à le faire ou pas. Donc j'inspire, j'étire le dos, j'étire les bras, je baisse les épaules, on creuse le ventre. Donc j'inspire, j'étire, j'expire, tac, je remonte. Donc ça, c'est le niveau 2. On va jusqu'en bas. Si vous n'avez pas de soucis pour remonter et que vous n'avez pas de problème à bien contrôler la descente, comme ça, sans tomber en grand coup, vous faites le niveau 2. Si vous avez du mal à remonter et que vous êtes obligé de mettre de l'élan, faites le niveau 1, ça travaillera plus vos abdominaux en réalité. Donc niveau 1, et ben je descends, je bloque, je remonte, j'étire le dos, dos rond, je bloque, je remonte. Bien sûr, vous pouvez descendre le plus bas possible. Je descends doucement, 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 je bloque. Je remonte et là on sent bien les abdos. Donc ça c'est le 1. Le 2, tac, c'est jusqu'en bas. Et le niveau 3 qui peut nous amener, alors, là, voilà, ce qui peut nous amener aux exercices, enfin au VAP comme en crossfit, en cross-training, c'est celui-ci. Donc on va pouvoir replier légèrement les jambes et on va entendre une seule. Ok, et on va essayer de remonter ici comme ça, le dos légèrement penché. Vous voyez, je suis pas revenue toute droite ici. Je suis légèrement penchée, je fais un V avec mon corps. Donc en pilates, cet exercice en fait va pouvoir nous amener au teaser qui ressemblerait un petit peu au V-up du cross training. Donc là en fait, il faut changer de jambe. Vous pouvez essayer. Voilà, et comme ça, ça peut nous amener progressivement à faire le teaser en pilates et le V-up en cross-training. On change de jambe à chaque fois, on fait attention à sa position. Le dos est très légèrement courbé, pas hyper droit, sinon ça ferait de la pression dans les lombaires. Vous voyez, on retient des petits éléments comme ça, importants pour ne pas se blesser. Je garde ma jambe à la même hauteur, vous voyez, elle ne descend pas pendant que je suis en bas ou elle ne remonte pas plus haut, elle reste là. L'idée, c'est de la maintenir toujours au même endroit. Elle est isolée, elle ne bouge pas trop, le moins possible. Voilà. Allez, on relâche. Donc, on va se remettre sur le côté, allongé sur le dos, pardon, pas sur le côté. Donc, soit vous descendez ici comme on a fait juste avant, si vous avez des problèmes de dos, on se fait pas mal, on se met sur le côté, on pose les mains, on pose l'épaule, on tourne. Bam, on est bien placé. Ok, on a les talons placés sous les genoux, bras le long du corps. On creuse le ventre, on plaque les lombaires dans le tapis, on lève les fesses, les lombaires, le dos. On serre bien les fessiers, on inspire en haut, on expire, on déroule le dos, une vertèbre après l'autre. Pareil, je fais pas ça comme une brute avec le dos tout droit. Non, je déroule lentement. Une vertèbre après l'autre sur le tapis. J'ai mes épaules basses. Mes genoux ne s'écartent pas comme ça quand je monte ou ils ne se serrent pas. Je garde l'alignement. Pour les pieds, c'est largeur des hanches ou plus écartée si vous êtes plus à l'aise. Pensez toujours au placement. Mieux vous êtes placé, plus les exercices sont efficaces. Et du coup, c'est valable en pilates, mais c'est valable dans tous les sports et notamment donc en cross-training. Ok, ensuite on ajoute les bras. Donc je monte le bassin. Quand je descends, tac, je lève les bras. J'expire, je monte. J'inspire ici. J'expire, je descends. J'inspire. J'expire, je monte. J'inspire. J'expire. Ensuite, cercle de bras complet. Je suis en haut. Je lève les bras. Je fais un cercle. Je repose les bras, je descends le dos, une vertèbre après l'autre.
Je monte le bassin. Cercle de bras, je serre les fessiers pendant ce temps-là pour bien les travailler. Et je redescends doucement une vertèbre après l'autre. Donc je fais exprès de poser mes lombaires avant de poser mes fesses. Encore, je monte. Cercle de bras. Vous voyez, je ne plaque pas mes bras au sol derrière. J'étire, je cherche l'allongement de mes bras jusqu'au bout des doigts. Je pose, je redescends une vertèbre après l'autre. On rentre le ventre en permanence. Bien entendu, encore, une dernière, je monte. Cercle, creusez le ventre, épaule basse, je plaque, je descends mon dos. Ensuite, je vais travailler un petit peu plus mes fessiers, donc je monte, bascule du bassin. Je vais tendre une jambe pied pointe vers le plafond, je vais faire 10 petites pulsations, mais vraiment en creusant le ventre, en gardant le bassin bien aligné, donc je ne suis pas de travers, et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, je change de jambe, pied pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, je descends le dos, une vertèbre après l'autre doucement, j'inspire et j'expire, je suis déjà repartie, tac. Je tends, donc c'est vraiment pointe, je tire ma jambe vers le plafond, je contracte les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, je déroule le dos, on fait une dernière fois. Je monte, je tends et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais tenir la position, je tiens, je tiens. Je tends bien la pointe de pied vers le ciel. Ça fait mal aux fessiers, c'est normal. Je plie le genou, je pose. Même chose sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, je tiens, je tiens, je tiens, je tends ma jambe, je tends, je tends, je tends, j'essaie de bien la déplier. Je plie le genou, je pose le pied, je déroule le dos doucement. Et on va se faire un petit genou poitrine, massage du dos. Donc on respire. Petite impulsion, on vient s'asseoir sur le tapis et vous allez directement mettre les talons dans les coins du tapis. Donc ça c'est un nouvel exercice qu'on fait régulièrement et qui est très bon pour le dos. Donc pied flex, largeur tapis, j'étire le dos, je tends les bras, à l'expire j'arrondis le dos. Vous dirigez le sommet du crâne vers le tapis, le haut du dos vers le plafond, c'est vraiment un dos rond, pas un dos droit. J'inspire, je reviens, encore, j'expire, j'y vais. Et j'inspire, je reviens. On ajoute un mouvement, donc c'est dos rond, j'expire. J'inspire, je redresse, j'étire les bras, j'essaie d'avoir le dos droit. Je rentre mon menton, j'étire bien mes bras. Et j'expire à nouveau, dos rond. Et je reviens, dos bien droit, épaules basses. Si vous avez du mal à faire l'exercice, prenez un livre, prenez une brique de yoga, mettez-la sous vos fesses, on montre que vous pouvez aussi avec, ça aide à étirer le dos, à ce qu'il soit bien droit. Si vous avez besoin de deux briques ou de deux livres, prenez-les, pieds flex, donc dos rond, dos droit, dos rond, et je reviens, dos bien droit, ok? Donc on continue encore, donc c'est j'inspire avant d'y aller, gardez les pieds flex, comme ça en même temps on ne perd pas de temps, on ne perd rien, on étire sous les jambes. Donc j'expire, dos rond, j'inspire, je redresse, j'étire le dos, j'étire un petit peu les bras, ils sont pas bas, vous voyez, ils sont alignés avec mon dos. J'expire, dos rond, rentrez le ventre, et j'inspire, je reviens, on fait une dernière fois, j'expire, dos rond. J'inspire, dos droit.
J'expire dos rond. Et j'inspire dos droit. Et un dernier, je fais directement. Dos droit penché vers l'avant. Je vais faire 10 petites pulsations vers l'arrière avec les bras. Donc, cherchez l'allongement. Votre dos, il doit être étiré comme ça. Pas rond, vraiment étiré. C'est parti avec les bras, des petites pulsations vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. Épaule basse, hein, même si les bras sont tendus. Et on relâche. On revient. Buvez un petit peu d'eau, je vérifie. Ok, super. Allez, on va passer sur le côté, de ce côté-là par exemple. Donc on va faire cet exercice-là, attention au placement, très important, vous mettez le bout de vos doigts au bord du tapis. Le coude sous l'épaule, les genoux l'un sur l'autre, rebord du tapis et entre cuisse et ventre, j'ai un angle droit. Souvent en cours, je vois des gens qui mettent la main devant ou trop derrière. C'est bord du tapis. Je vous fais un repère pour être bien placé. Pareil pour les genoux. Et au niveau de la taille, je ne suis pas à la plage ici, je suis vraiment bien droite. Cette main elle est sur la cuisse, sur la fesse, peu importe. Je lève mes fesses, je tendrai les jambes, je ramène. L'idée, c'est de faire une ligne de la main au niveau du buste jusqu'à la pointe du pied. Donc, on n'est pas là, là, c'est pas une ligne, c'est ici. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Encore. J'expire, je tends, creusez le ventre. J'inspire, je ramène. Encore deux. Et on relâche. On va passer tout de suite de l'autre côté, comme ça, c'est fait, on n'oublie pas. Donc même chose, genou rebord du tapis, bout des doigts rebord du tapis, coude bam sous l'épaule, ce qui veut dire que le coude il n'est pas là, ou il n'est pas là-bas. Alignement, l'alignement ça vous permet de ne pas vous blesser, d'être précis, de faire un beau mouvement propre, efficace, bien fait. Pas besoin d'en faire mille du coup. Allez, j'expire, je tends, j'inspire, je ramène. On ouvre devant. On étire, on étire, on étire. Et un dernier. Et on relâche. Ok. Vous asseyez en tailleur. On joint les mains. Alors, on attrape un poignet, pardon. On attrape par exemple le poignet gauche, on étire d'abord plafond, espace entre les vertèbres, et comme ça je peux étirer sur le côté sans me faire mal. Ensuite, j'attrape mon poignet droit, j'étire plafond et je tire mon poignet droit vers la gauche, creusez bien le ventre. Parfait. Ok, on passe sur le ventre, je vais pousser ça. Donc on passe sur le ventre ici. Donc pareil, en pilates, on travaille beaucoup les exercices du dos. Donc si vous faites du circuit training, ça va beaucoup vous aider d'avoir un dos bien musclé au départ sans vous faire mal. C'est comme ça que vous pouvez vous muscler le dos sans prendre de risques, sans vous blesser. Donc, je suis allongée sur le ventre, bras le long du corps, paume de main au sol, pointe de pied tournée vers l'intérieur, ça aide à relâcher les fessiers, parce que nous on ne veut pas travailler nos fessiers, on veut travailler notre dos justement. Donc on creuse le ventre toujours, même si c'est pas simple quand on est dessus. Et on expire, on soulève. Et on inspire, on pose. J'expire, je soulève. J'inspire, je pose. Un petit peu plus difficile, on met le bras en chandelier, en fait ça ajoute du poids à porter pour votre dos. Donc j'expire, je lève. Et j'inspire, je pose. Essayez de bien plaquer les omoplates. Le dos là doit être super gainé. C'est un super travail du dos. C'est pas pourquoi c'est facile. Je lève d'une façon un peu molle. Non, tout est gainé. Là, vous devez sentir que ça travaille super fort. Et encore un petit peu plus dur, niveau 3.
J'inspire, je lève. J'expire, j'étire mes bras devant. J'inspire, je ramène. J'expire, je pose. J'inspire, je lève. J'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. J'expire, je pose. Donc je vous rappelle, si vous étiez en train de faire le niveau 1, c'est main au sol ici. Omoplate bien plaquée. Ventre rentré à fond. Niveau 2 là. Et niveau 3. Ok, et vous allez pouvoir relâcher. Donc, on va joindre les mains dans le dos, on croise les doigts, on remet les pieds bien droits, on n'est plus les pointes de pied tournées vers l'intérieur. Et à l'expiration, on soulève le buste. On expire, on inspire, on ramène. J'expire, je lève. J'inspire, je redescends. Allez-y, essayez vraiment d'expirer quand vous soulevez. Ça permet d'évacuer les tensions. Ça permet d'évacuer les tensions. Et ensuite, vous relâchez et vous ramenez les fesses sur les talons. On va bien, bien, bien étirer notre dos en pressant les mains au sol. On allonge la colonne vertébrale. Donc quand vous faites ça, pensez à écarter un petit peu vos genoux. Plus vous allez appuyer vos mains dans le tapis, les paumes de main, plus ça va aider à étirer, à allonger votre dos. Les épaules sont basses. Ok. On garde les mains là où elles sont. On va monter en dos rond, dos du chat. Vous voyez, je ne monte pas dos normal, je monte vraiment dos rond. Je bascule le bassin vers l'avant. Épaules basses, rentrez le ventre. Et je ramène les fesses sur les talons, j'étire le dos rond, je bascule en avant et hop, je reviens. Donc doucement, le but c'est pas que le bassin touche le sol comme ça avec les épaules qui remontent, ça c'est interdit. C'est vraiment là, épaules basses et je ramène fesses sur les talons, j'étire, je monte, dos rond, bascule du bassin et je ramène. Une dernière fois, dos rond, je monte, je monte, je monte, je bascule vers l'avant et je ramène les fesses sur les talons et on va enchaîner directement en agrippant les bords du tapis avec les mains, vous tenez bien les bords. On se met pointe de pied et on va monter les fesses vers le ciel. Les pieds c'est largeur des hanches ou plus écarté si on veut et vraiment on pousse le buste vers les cuisses. On veut avoir le dos droit, les jambes tendues. Donc ça, pareil, si vous faites du circuit training pour la souplesse, c'est top. Il y a beaucoup d'exercices aussi. Enfin, il y a quelques exercices, pardon. Notamment durant l'échauffement qui ressemble à ce mouvement, à cette position. Pour faciliter, pour vous assouplir, vous pouvez aussi plier un genou. On alterne, on plie un petit peu le genou droit. Et ensuite, on plie un petit peu le genou gauche. Donc ça, si on a du mal à avoir le dos droit, les jambes tendues, hop, on plie, on alterne. Étirez le dos. Allongez les jambes. Les autres, vous pouvez rester dans la position. On essaye de tenir. C'est bon pour se relaxer aussi, cette position. N'hésitez pas à monter les talons, vous voyez, je monte mes talons, ça m'aide à monter les fesses et à pousser le buste vers les cuisses. On respire, si ça glisse, collez vos talons contre le mur, agrippez les bords du tapis avec les mains. Et on relâche. Après ça, chez vous, vous pouvez le faire aussi si vous avez un petit peu mal au dos, ça aide. Et on peut rester plusieurs minutes dans cette position. Étirer, on fait fesses sur les talons, on étire, on allonge. Ok, on se redresse, on va faire notre traditionnel dos du chat.
dos du chien, donc poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Donc celui-là, on l'aime beaucoup parce que c'est très bon pour la mobilité du dos. J'expire, j'étire, j'inspire en neutre, j'expire, j'étire dans l'autre sens. Vous voyez, c'est pas mes fesses qui reculent, c'est pas mes épaules qui montent, c'est juste mon dos. Et je travaille sur le rythme du souffle, c'est mon souffle qui me donne le rythme. Creusez le ventre, épaules basses. J'expire, j'étire. Pareil, ça, si vous avez mal au dos, c'est très bon. Bien sûr, rentrez le ventre, surtout à ce moment du dos du chien. Ok, on relâche. On va revenir assis sur le tapis pour me recoiffer. Ok, donc on va faire une rotation du buste. N'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise ou à vous asseoir sur une brique. Le fait d'être surélevé, ça aide à étirer le dos. On peut ouvrir les bras aujourd'hui. Donc, j'engage le centre, rotation. Vous mettez vos jambes comme vous voulez. Vous pouvez les étirer le long du sol. J'inspire au centre, j'expire, rotation. Cette rotation part des abdominaux. C'est pas une rotation d'épaule comme ça. C'est pas une rotation du bassin avec le bas du corps. Donc, j'exagère un peu dans mes mouvements. Mais l'idée, c'est vraiment que ça part du ventre et que tout le buste reste solide. Et ça tourne, ça part du ventre. J'inspire au centre. J'expire, rotation. J'inspire au centre. Et j'expire, rotation. Étirer le dos en permanence, ça doit être un effort. C'est pas très agréable. C'est normal, on a plutôt l'habitude de se tenir un peu arraché. Ok, on relâche. Hop, ouverture de jambes. Vous allez faire la plus grande que vous puissiez faire. Donc, si vous pouvez faire un grand écart, allez-y. Si c'est un tout petit écart avec les jambes un petit peu pliées et la brique mise sous les fesses pour vous surélever, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez tout à fait vous surélever. Donc, on ouvre les jambes, on va poser les mains devant nous. En fait, dans l'ordre, on pose les mains devant. Enfin, dans l'ordre, on va poser les mains derrière. On a le dos droit. Si ça va, on pose les mains devant. Et on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ceux qui peuvent se coucher devant eux, allez-y. Pas de souci. Du moment que vous sentez que ça travaille, votre étirement, c'est que ça fonctionne, c'est que ça travaille. Même si vous mettez vos mains derrière vous. Alors, on met les mains derrière soi. Que si le simple fait de poser les mains devant, ça fait, je vais mettre de profil, si le simple fait de mettre les mains devant fait que hop, votre dos il est arrondi. Dans ces cas-là, on met les mains derrière. On n'a pas la flemme, si le fait de mettre les mains devant pour le dos droit, on les met de préférence devant. C'est vraiment niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 22. Ok, donc vous tenez la position, moi je fais des allers-retours pour vous montrer, mais vous restez dans la position, on tient, on allonge le dos, on est bien droit, on monte un petit peu, voilà, on tient, on va le plus loin qu'on puisse sans forcer, ok, on respire profondément, allez-y, donc tenez votre position, à la limite si on veut on avance. Mais on évite de revenir au point de départ. On respire à fond. On tient encore un petit peu la position. Et on revient doucement. Donc on fait marche arrière avec nos mains. On étire. Le dos de la main contre la jambe. Je passe l'autre bras au-dessus de la tête. Donc ça c'est pareil si vous faites du cross-training. Travail de souplesse. Ça va beaucoup vous aider. Donc la souplesse n'est pas un truc de fille. On respire profondément. On tient la position. Alors pas de truc comme ça. Comme on voit souvent, faire ça, c'est hyper mauvais. Vous pouvez vous blesser. Le corps dans un étirement, on le laisse descendre tout seul. Il fait son travail. Il ne faut pas qu'il y ait de tremblement dans un étirement, sinon ça veut dire
et l'autre côté. Sinon, ça veut dire que vous avez trop forcé. Il faut reculer un petit peu, faire un petit peu moins. Tenez, tenez, tenez. On respire. Allez, on revient. Super. On resserre un petit peu les jambes. On ouvre les bras, il faut qu'ils restent dans le champ de vision. Rotation du buste, j'enroule tête, épaule, dos. Je viens scier le petit orteil avec la main opposée et je reviens. Donc vous pouvez mettre vos pieds en flex. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Hop. Donc je viens scier le petit orteil avec la main opposée. J'ouvre. Rotation du buste. Donc comme dans l'exercice précédent. Et je viens scier le petit orteil. Bien sûr, si votre main ne vient pas toucher votre pied, ça n'a aucune importance. Vous allez uniquement dans sa direction. L'autre bras part tendu derrière, paume de main tournée vers le plafond. Encore. Et un dernier ici. Et de l'autre côté, rotation du buste. Et parfait, on revient. Et on va refermer les jambes. On joint les mains, on croise les doigts. On étire au-dessus de la tête, on creuse le ventre, on penche un petit peu d'un côté, de l'autre. On étire. Allez, donc on va passer directement à la relaxation. Donc, si vous aimez mettre les jambes au mur, allez-y, on tourne le tapis. Maintenant, vous savez comment on fait, on tourne le tapis, on colle ses fesses contre le mur et les jambes sont tendues au plafond, au mur, pardon, pas au plafond. Donc, je vous montre ici, on est assis là, on se met sur le côté et on tourne. Donc, on peut rester comme ça pendant la relaxation ou bien jambes écart. Les autres, vous ne voulez pas faire les jambes au mur ou vous n'avez pas la place de mur libre chez vous, on peut bien sûr s'allonger, mettre les jambes ici, pointe de pied collée, ou étirer le long du sol. Et pour les autres, donc on a le choix hein, pour la relaxation. Pour les autres, je vais me rapprocher un petit peu. Vous pouvez tout à fait faire jambes en tailleur ici. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Main, dos des mains sur les genoux. Et on peut fermer les yeux, on respire. Donc, vous allez relâcher tous les muscles, y compris ceux de votre visage. Donc, on commence par relâcher les muscles du front. Ensuite, le petit espace entre les sourcils. Relâchez aussi les yeux. Relâchez les joues. Relâchez la bouche et la langue. Relâchez la gorge. Relâchez les épaules et le dos. Se concentre sur la respiration, l'air qui passe par le nez, qui ressort par la gorge. Donc on respire profondément.
travailler tout doucement si on était allongé avec les jambes au mur ou allongé sur le dos, avec les pieds au sol. Vous tournez sur le côté et on se repousse du tapis avec les mains. Les autres, vous êtes déjà assis. Et on va rouler nos épaules vers l'arrière. La tête devant. Regardez aussi les côtés. Haut et bas, pas trop loin en arrière la tête. On regarde face à nous, je vais me rapprocher un petit peu. Donc je me rapproche un petit peu. J'espère que cette séance du coup vous a plu. Si vous avez des questions sur les liens entre cross-training et Pilates, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je répondrai dans le live de la semaine prochaine. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la cagnotte PayPal pour les cours en vidéo. Donc merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas reçu la vidéo cadeau entre guillemets que j'envoie en échange, que je vous la renvoie. Et dernière chose, cette semaine j'avais commencé les cours dans le parc bordelais pour ceux qui sont à Bordeaux. Même avec la réouverture des salles, je pense que je vais continuer. Les horaires vont peut-être un petit peu changer. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos disponibilités par SMS par exemple. Voilà. On se tient au courant pour les cours en extérieur et à vendredi prochain, même chose à 11h15. Salut!